Chapitre 16, le sacre. Et il reste le chapitre 16 et le chapitre 17. C'est la fin du jeu. Ça y est, on y est. Malheureusement. Enfin, c'est bien, quelque part. Mais tu le sens. C'est grand. Dans la musique. On va arriver à trouver maman. Dans tout. On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Mais, attends. Un épisode qui sera beaucoup plus poignant et. Elle va se calmer. Beaucoup plus court. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincible. Roderick, j'ai pas envie de le reterminer. J'ai pas envie. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Mélie, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Mélie. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oh, Mélie, attends! Elle est en colère contre moi? Mais non. Non. Elle est... en colère, tout court. Mais... Bah, on vient d'assassiner son frère, hein, quand même, hein, dans les faits, elle est peut-être triste, en fait. C'est peut-être juste ça. Hein? Bon, non, vous y avez pas pensé. Vous êtes pas dit... Tiens, son frère vient de se faire embrocher comme un steak. Elle serait peut-être un peu déçue, un peu triste. Non, non. Bah non, bien sûr que non. Non, c'était normal, ça arrive à tout le monde. Je me baladais, l'autre jour, je me suis fait embrocher par une épée. Évidemment. Évidemment. On dirait Dark Souls. Hein. J'espère bien. Parce que ça brûle de plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Elle sait ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Ils vont. Dans ce trou. On sait même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. C'est Lucas, avec moi. Mélie. T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mais merde. Il va les voir. Hey, arrêtez. Je vais l'aider. Restez là. Pourvu qu'ils s'en tirent. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, elle... toi en profiter. Ça c'est fait. Je crois qu'il y avait des trucs là. Bien joué. Ouais. Il se relèvera pas. Bah, il a plus d'intérêt parce que se relever, ouais. Histoire que tu nous serves un peu à quelque chose quand même. Oh, les musiques de fin elles sont top. Ouais. Allez, on avance. Beauté, là. Ça a bien changé depuis la dernière fois. On dirait un bâtiment connu quand même. Vite, c'est là-bas. Alors mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Je préfère m'approcher à petits pas comme ça, à pas qu'elle feutré. Je me dis. Écoutez cette bande son incroyable, s'il vous plaît. L'important c'est qu'on prend inquisiteur. Mais... la race de la mort. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Sur le stream, bienvenue à tous sur cette conclusion. Bizarre. Le capitaine a toujours été sous-protégé. La liste a changé.
merci John pour l'abonnement que t'as offert à Gwen. C'est super gentil ça. Merci beaucoup. Bien, Gwen, tu es devenu membre sub grâce à John. D'ailleurs, comme je le disais, il y a de nouvelles fonctionnalités sur Twitch. Il y a le train de la hype. Vous me verrez apparaître au bout d'un moment. Je crois que c'est au bout de 7 actions de soutien que le train de la hype se met en route. C'est un truc que Twitch a rajouté, je trouve ça cool. Il est pour toi. Tu me le diras pas deux fois. Allez, dégomme lui sa tronche. Bah, je te le dirai pas deux fois, mais par contre, tu mets 15 ans. Ah non, t'es là. Pardon. Pardon. Alors, bah, c'est bon. Je t'avais pas vu. Je suis un peu fort. Bah, bah non, c'est bon, tu lui as brisé la nuque, ça devrait suffire. En général, ça suffit. Hein. Tu lui brises une fois la nuque, c'est fait. Hein. Il n'y a pas de deux nuques. Hein. Ok, il y a encore des rats là. J'aurais pu les faire sortir en fait. Mais si je faisais sortir tous les rats. Je sais pas si ça peut être utile. Je sais plus. Tu sais quoi, au cas où. Là, mes petits loulous. Bonjour. Alors, ça a fait ton petit marché, ça a bien mangé. Ouais, tranquille. Tranquille, Bilil. Tranquille, Bilil. Il est même là-haut, regarde, que j'aurais pu faire tomber. Ça fait beaucoup de rats, ça. Okay. Beaucoup de choses à récupérer ici pour terminer les améliorations. Check quand même. C'est surtout qu'on est sur le dernier épisode et comme j'ai pas forcément envie de finir ultra vite là, je prends mon temps pour rechercher les petits éléments. Tiens, il y a le mec là-bas. Attends. Allez, vas-y, viens là. Allez, viens, on continue. Ah, merde. Allez, go. Allez, mangez-le. Rentable. Bah, vous verrez pour le train d'arrêt. Vous verrez. C'est au bout de certains soutiens. C'est au bout de 7 actions soutien. Il se passe quelque chose sur le chat. Vous verrez. Là, je crois que ça fait 3, je crois. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. C'est un truc que Twitch a rajouté. Ce qui est très cool d'ailleurs. Petit en passant. Bon, les outils, c'est bon. Bah, il est tout seul, non? Bah, enfin, bah, retourne rejoindre tes potes, Ernesto, enfin. C'est fou ça. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Attends. J'ai vu un peu de briller. Ok, merci. Bon. Allez, on avance. Allez, bon appétit. Voilà, nourrissez-vous bien. Allez, mangez-le. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Je savais même pas que c'était possible. Deux gardes, un chacun. C'est contre nature. C'est ça. Où les allez, go. Tu peux t'occuper de lui. Tente sur moi. Boum. On y va. Moi aussi, je veux être fort comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrick, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul? Tu veux le faire? Rodrick, à toi de jouer. D'accord. Salut Kylo. Wow. Merci de ton follow, bienvenue. Passez! Allez vite! Attention! Tu montes? Attends, on va commencer par ça.
vache. Je pensais que j'avais plus de rats que ça. Allez. Attention. Merci Kylo d'être devenu un vrai sub. Merci beaucoup. Les rats. Mais bienvenue. Ils veulent pas m'écouter. Attends. Garde, des intrus. Oulala, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans une merde. Je suis dans une merde noire. Oh la vache. Mais ouais. Ça. Attends, on va commencer par ça. Allez, à ta main. Ce qui serait bien, ça serait de s'entraîner à l'air d'un. Ok. Attends. C'est le mec là-haut, là. Le relou. Il y a un casque, non? C'est quoi, vaut mieux jouer à la précaution. Ouais, il a un casque. Ok, c'est bon, il avait un casque. Allez, vas-y. Boum. Ok, c'est bon, on l'a vu. On l'a eu. À l'époque, hein, j'avais regardé un peu de loin et je sais pas. Peut-être que je tenterai, hein, mais j'ai jamais tenté. Puis j'ai un peu peur que si ça me plaise, j'y passe beaucoup trop de temps. Sinon, j'ai déjà pas beaucoup de temps parce qu'il y a trop de jeux. Amicia, vous êtes vivant. Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale, d'accord. Mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Celle qui brûle là. On ne peut pas rebrousser chemin. Partez. On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Attends, allez. Il y a un truc que j'ai pas vu. Oh, c'est fermé. Bon, tu peux me péter la porte. Vas-y. Allez, pète-moi cette porte. Bah, dis donc, le temps que tu décides, on a le temps de mourir 15 fois. Hein. Tu peux pas. Allez. Oh là là, ça va plus vite si je le faisais. Rodrick, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Ouais, ça va, tranquille. Allez, ça dégage. Ah, il y en a un autre là-bas. Ok, attends. Ah, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il a lui? Ok. Ah, c'est une lanterne, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Qu'est-ce que t'as dans la main, mon coco? Alors? Qu'est-ce qu'il a dans la main? Attends, c'est quoi? C'est une lanterne? C'est... Ah oui, d'accord, ok. Ok, je sais ce que t'as dans la main. Ils répondent pas, forcément qu'ils répondent pas. Il a allumé son espèce de... Tu sais quoi, vas-y, j'éteins les deux. Allez hop, maintenant. Vas-y, go, 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 go.
trouver. Ok, maintenant. C'est pas ça qui va nous trouver. Fais attention à moi. Allez le manger. Mais allez le manger. Il répond pas. Il y a un moment où vous allez le bouffer, lui, ou pas? Ok, bah attends, je vais éteindre ça au milieu, alors qu'il est au milieu des rats. Ça sera plus simple. Attends. On a réussi. Voilà, merci. Non, mais c'est incroyable, ça. Je crois. C'est bon, Rodrigue. Il est ouf, ce gars. Enfin. Rappelez-moi de pas vous énerver. Oh là là. Bien. Tout ce temps pour trouver un mec, quoi. C'est possible, hein. Ça va pas du tout. Lucas, parle d'un plan. Non, alors. Lucia. Ouais, non, ils sont pas très obéissants, ces petits rats, on est d'accord. Je te le promets. Ouais, j'avoue. Rodrick, tu nous suis? Jusqu'en enfer. Extinction des feux, messieurs dames. Bien, bien, bien. Tiens, c'est pas moi ça. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, récipient. Bien, faut devoir tirer sur l'inosa sans risquer de le briser. Ah. Bah ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Et on se baisse, on se baisse, on se baisse. Tu veux bien y aller? D'accord. T'es sûr? T'es sûr de ça? Calme-toi, reste là. Hugo, tu es le capitaine de l'inquisition. Dur à cuire. Plus dur à cuire que moi. J'avoue. Je mens jamais. Bah tu viens de mentir. Quand quelqu'un qui dit je ne mens jamais, c'est un mensonge. On fait même des petits mensonges. On se ment à nous-mêmes, souvent. Ça arrive. Le forgeron. Tu vois, par exemple, non, je ne finirai pas ce paquet de bonbons en une fois. Tu te mens. Bien sûr que tu le termineras en une fois. Et même si tu tentes de te le planquer, tu le finiras quand même. Évidemment. On se ment tous à nous-mêmes. Non, je ne finirai pas cette tablette de chocolat. Qu'est-ce qui se passe 2 heures plus tard? On se dit là, je ne terminerai pas la prochaine tablette de chocolat. Mais c'est toujours comme ça. Toujours. Occupe-toi de lui. Toi, t'es fini. Allez, bute-la. Merci. Oh, merci bien. Joli. Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Pas long. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ça? Ces musiques. Mais je suis tellement triste de pas avoir trouvé le vinyle. Mon Dieu. Attention. On vous avait dit que les intrus seraient jugés sur place. Cet endroit est en quarantaine et sous juridiction de l'Inquisition. Mais on n'est pas malade. Regardez-nous. On venait juste récupérer nos affaires. Amicia, qu'est-ce qu'on fait? Ben on les bute. Je réfléchis. Mais t'as pas à réfléchir, tu les butes, c'est tout. Réfléchir à quoi? Oh punaise. Bon bah, ok. Oh merci. Merci. De rien. Soyez bénis. Oui, merci. Et bonne chance. Hé, attendez. Des pièges. À couvert. Des archers. Bien joué. Trop dangereux. Ouvrez l'œil. Les archers tirent à vue. Personne doit s'approcher. On passera pas comme ça. La cathédrale. On est sur la bonne voie. Là-bas, la herse. C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Ok, il y a juste à pousser ça. Attends, il y a des trucs là, je crois. Il n'y a pas un coffre? Bon bah go alors. Le chariot. Rodrick, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Et lâche ça, Amicia. Mais t'es ouf, toi. D'où reste tu me touches comme ça? Non mais t'as fumé ta mère, toi. Rodrick, laisse-moi t'aider. Il est ouf, ce gars. Ça va aller. Si tu veux aider,
Bah, tu peux me demander de m'écarter sinon. D'accord. Mais la vache. Cache-toi, Rodrigue. T'en fais pas pour moi, petit. Complètement dingue. Je récupère des petits trucs, hein. Ça marche, ça va. Putain, il est en train de se prendre plein de flèches. Amicia, ils sont derrière. Merde. Oh la vache. Ah mais oui, mais t'avances pas aussi assez vite, Rodrigue. Enfin. Ils sont derrière. Oui, là, je sais. Salaud. Salaud. Vous avez tué ma grand. Ah bah non, même pas. Même pas tué ma mère, finalement. Oh, il y a un archer. Vous y êtes prêts? Tiens. Mange. Attends, il y en a encore. Meurs pas, Rodrigue. Quoi, il y en a encore? Va mourir. Mais ils sont où, ces gens-là? Je dois juste souffler. Tiens. On y est, alors. Lâche ça. Viens à l'abri. C'est bon? On est bon? Tranquille? Oh, tu t'es pris une flèche en plus. Hein. On y est. Restez pas là. Venez, vite. Oh mon Dieu, Rodrigue. Ça va un peu mieux. Ça va, c'est une flèche. Oh là. Bon. Go, vas-y. À toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain! 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 Parce que, il fallait que je le dise moi aussi. Hugo, viens, il faut partir. Allez Hugo, on avance, on n'a pas le temps. Il faut qu'on aille chercher avant. Bon! Mais il reste plus grand monde. Alors à votre avis, qui va rester en vie à la fin? Faites des pronostics, moi je le sais déjà. C'est pas possible. Faites vos pronostics. Non. Ces bâtards doivent payer. Je vais leur faire payer. On doit d'abord rester en vie et grouper. C'est pour ça que Rodrigue et Arthur se sont sacrifiés. Peut-être que personne ne meurt. Laisse peut-être que tranquille. Seulement un meurt, ou deux. Elle a raison, ou une. Ou pas du tout. Faites vos pronostics. Rodrigue. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus, Sera. Charogne. Dégagez de là. Allez, suivez-moi. Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Hugo. Merci, c'est moi qui vais nous aider à buter ces enfoirés. Nelly, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord. Marche conclu. Deux secondes. Calme-toi, il y a pas mal de choses là. Je vais te calmer. Alors, attends. Il ne nous reste pas grand-chose en plus. On va même pas pouvoir terminer. Ah non, il n'y aura pas assez de trucs à... Oh là, je vais même pas réussir à terminer les trucs. C'est quoi ça? Hey, allez, viens, coquinou. Ah, c'est terminé. La manger des rats. Elle a vraiment bon, une sale gueule. Ah, ça fait tellement plaisir. Attends deux secondes, je récupère ce qu'il y a sur les étals. Deux secondes. Il y a vraiment beaucoup de choses sur la fin là pour essayer de terminer chaque truc. Donc.
On récupère. Je regarde un peu ce qui manque. Tu le sens arriver le les problèmes? Je pense qu'on le sent tous arriver. Hein. Les problèmes sont bientôt là. Tu vas dire, on est sur le marché. Attends, attention, calmez-vous. Attends. Non, pas dans la tête, pas dans la tête ici. Allez, dégage-le. Putain, c'est des archers. Ça arrivera pas deux fois. Ah, j'ai pas réussi à le faire trop. À le faire comme je le voulais. C'est pas grave. Bon, on va contourner plutôt qu'attaquer. On va cathédrale. Merde. Allez, on avance. Plutôt que de la jouer pour un. Ce qui n'est jamais une bonne idée. Allez. Comme ça, on chope l'archer dans un premier temps. Voilà, merci bien. Bêtise, je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Oui. Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a Vera dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Chope l'archer. J'ai pas eu l'archer. J'ai focus sur les mauvais. Il faut que je focus sur les archers en premier. Commencez. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Allez, vas-y. On focus sur les archers. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Archer. Vas-y. Let's go. D'accord. Ah, micro-tasse. Ah, flûtasse. Crotasse. Dis-leur de sortir. Vas-y. Attends, déjà on va se coucher, on va se coucher.
passer tout. Ah zut, c'est les torches enflammées, j'avais pas vu. Bah qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah quand même. J'ai peur. Non, elle prend tout son temps, genre, vas-y. Puissance. Viens, allons-y, entrons. Elle est où, Fel? Tu parles d'une famille? Qu'est-ce que t'as contre ma famille? T'as un problème avec eux? Ils font très bien la cuisine, ils ont un restaurant à Paris. Donc calme-toi. Non mais attends, eh oh. Aidez-moi. Ça va aller? Plus personne ne doit entrer. Elle est où, Fel? Comment elle cause? Ayutik, merci beaucoup. Ah, c'est ton 8e mois. Merci beaucoup. Merci énormément. 1, 2, 3, 4, 5... 6, ah ah, au prochain action de la communauté, normalement il y a le train de la hype qui se met en route, normalement. Mon enfant. Merci à Yukik de ton ressab. Amicia, mère. C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil. Fuyez, sortez d'ici. Ah, pour l'amour du ciel. On dirait... tu sais quoi, la première fois ça m'a fait penser à Jafar et... Jafar et Yasmin. Hein. De ouf. Hein. Hugo. Tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Oui, mais reste près. Il y a un truc que t'as oublié. On vient avec vous. Il y a un truc que t'as oublié, mon cher ami. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense que t'as oublié quelque chose, Hugo. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Cette scène la plus classe du jeu, à mon sens. Je vous bon, le dis. Voilà. Vous verrez. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage qu'il a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu! On est venu buter, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs. Ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez! Je l'ai eu ou pas? Putain, je l'ai encore raté, hein! J'allais le faire d'un coup. Ah zut! Je me suis dit que j'allais réussir d'un coup, pas du tout. Rassemblez-vous! Je vais craquer! Vous êtes venus me défier! Qu'est-ce que. Il les regroupe! Il les regroupe! La lumière les arrête pas! Ah, j'aurais adoré réussir. Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment?
On doit essayer. C'est notre seule chance. Regardez ces timbres. J'aurais adoré réussir du premier coup, bordel. Laissez-les. Ah, quel dommage. Ce sont des enfants. Oh, ce sont les reliques de l'ancien. Quel dommage. Allez vieux Schnock, tu vas mourir! Enfin, vieux débris, mais il va crever. Ah oui, d'accord. C'est toi la vieille chair! Salut Ansem, merci de ton follow, bienvenue! Mais c'est toi la vieille chair là-haut? Espèce de vieux débris. Là. Tiens! Non, allez, cadeau. C'est bon, on l'a eu. Merci de venir là. Venez nourrir le premier sang. On est si dans la certitude. Éloigne-toi. Ensam, tu vois souvent sur les vidéos, c'est rigolo. Bon, il va se prendre à l'aider, mais c'est rigolo. Sortez. Mais salut. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Twitch. Allez, go les rats! Hugo, grouille! John, merci beaucoup! Normalement, il devrait là! J'ai sacrifié ma chair! Vous voyez rien? Pour devenir le creuset! Attends, je gère ça après, je gère ça après! Normalement, il devrait être là. C'est pas assez bon. Allez, encore un. Allez, c'est bon. Ok. Attends, j'en ai plus. Oh non, il y en a encore un. Attends, non, il faut que je mette là. Oh merde, je l'ai mis en plein milieu. Ça passera pas. Bah oui, bien sûr. Voilà. Oui, je vais les aspirer sur les côtés.
Attends. On va commencer comme ça. Là, on en met un ici. On en met un là. Sa gueule, papy, maintenant, hein? Alors? Les rhumatismes ont eu raison de toi? Voilà! Bon! Allez, voilà, vide-toi de ton sang. Ce sera bien. Vas-y, libère le sang. C'est bien. Plus moins il y a de choses dans le sang, vas-y. Allez, tiens. Hugo! Oh là là! Calme-toi! Eh, hey, papy, C'est fini. C'est incroyable, ça. Merci Rolling Dogo, merci beaucoup. Merci beaucoup ton cheers. Merci beaucoup. Bien, 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 bien. Il reste un chapitre. Il reste un chapitre derrière, évidemment. Il reste un chapitre. Non, non, il reste un chapitre. Il reste un chapitre derrière, mais voilà. Bien sûr qu'il reste un chapitre, voyons. Mais voilà. Voilà. Ben oui, c'est déjà la fin, mais je sais bien. Je sais bien. On a battu le papy, mais bon. Ah là là. Félicitations encore une fois à toute l'équipe de la Sobo Studio parce que. Parce que. Enfin. C'est juste incroyable, même avec eux. Mais oui, il reste un truc derrière. Enfin, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il reste un truc derrière. Qu'est-ce qu'il reste derrière? Moi je laisse tout ça, très important de remercier toute l'équipe du développement, s'il vous plaît. On n'oublie pas les membres de l'équipe. Finalement il reste un chapitre là. Mais Oh là là, ce petit papy là. Allez. Je vous aime, Asobo Studio. Vous ne le verrez jamais, mais je vous aime. Voilà. Vous ne le verrez jamais, mais c'est pas grave. Je le dis quand même. Merci pour ça. Allez, chapitre 17, l'un pour l'autre. Pour une fois que je peux dire un studio dans la langue originale et qu'ils me comprennent potentiellement que je les aime. Déjà que je voulais le dire à Naughty Dog pour The Last of Us, mais... Allez. Tiens. Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, ah oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman. Salut à ceux qui débarquent pour cet ultime chapitre. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. Lenny est toujours là.
mais il est vide. Ah, ça change au niveau des couleurs. J'arrive pas à croire. Oh, Amicia, regarde. Bah, moi. Mais oui, c'est bien de se peigner la barbe. Hein, Amicia. Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Prête. Allez, Amicia. C'est vrai, on s'est entraîné pendant... Oui. La dernière. Ah oui, là. Hey, vous savez y faire, hein. Allez, gagner une pomme. Donne-moi cette pomme. Décidément, j'ai l'impression que la pomme, c'est ce qui nous suit dans tous les let's play qu'on fait, en fait. Dans Uncharted 4, on avait déjà notre pomme. Ici, on a toujours notre pomme. Décidément, tout pour la pomme. Allez, la pomme est pomme. Pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey. On célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un. Une foire ? Une vraie foire ? J'ai jamais vu une foire ! Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire ! Hugo ! Mais on reste pas longtemps. Un bon jeu, c'est un jeu où il y a des pommes. Voilà, regardez. Ça sera le nouvel argument de vente. Le petit. S'il y a une pomme, c'est un bon jeu. Non, petit, tu peux pas. Le principe des pommes et des escaliers. Parce que tu peux pas. Comme ça. Pourquoi on peut pas? T'as fumé? Il y a un problème? Problème? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par les gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais la foire. Eh ben, on n'ira pas à la foire! Ça suffit! T'as qu'à chialer un bon coup et puis c'est bon. Ça suffit, les caprices de gosse comme ça, là. Oh. Hein? T'as déjà eu ta pomme. C'est fou, ça. Tu leur donnes la main, ils volent le bras. Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. C'est fou. 20 pommes. Mais tu me battras jamais. Hein, l'animal? C'est fou, hein. Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1. 2. 3. On a le droit de lui faire un croche-patte ou pas? D'accord, t'as gagné. Mais il a pas gagné, c'est jusqu'à la charrette, il y est pas encore. Mais la vie de ma mère, il a pas gagné, hein. Mais là, si je suis arrivé avant, il est ouf. Est-ce que tu as tout? Le mille-pertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout, en route. Mais attends. Bien. Oh. Mais moi, je veux mes 20 pommes, hein. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle... Bah, le petit est un peu gonflant, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont tellement bien fait qu'il ressemble beaucoup aux gosses de son âge, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont chiants. Ils posent 50 000 questions. Ils ont leur petite voix agaçante de crécelle. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ci? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais ta gueule! Tu me trouves alors comme ça? Avec ta mère aussi, on se demande pourquoi. Hein? Voilà. Moi? C'est horrible. Tu ressembles à une grosse... Quel mouche. Bon père je ferais. Une mouche? Ta propre sœur? Non, en vrai, il est adorable. Tu la mérites châtiment. En vrai, il est adorable. C'est horrible. Allez, savourons cette musique. Voilà. Lucas. La mouche m'attaque.
les bébés d'Astomo Studio, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Ah là là, Bordeaux a du talent, Bordeaux a du talent. Et voilà un nouveau Let's Play qui se termine sur la chaîne. Pour le trophée. Bon, du coup, j'ai les trophées et les succès sur Xbox et PlayStation. Voilà! Un nouveau Let's Play qui se termine sur la chaîne. Ah, je ressens encore ce vide à l'issue de cette aventure. J'avoue que j'ai ressenti les mêmes choses sur le deuxième run que sur le premier. C'est-à-dire des moments de rage à certains moments. De la beauté incroyable sur toute l'aventure et certains moments où je me disais c'est répétitif, mais au-delà de ça la narration est tellement parfaite que y a rien à dire par rapport à ça et le Plague Tale quoi, enfin juste faites-le si jamais vous l'avez pas fait ou que vous avez envie d'y vivre aussi. Si jamais vous avez envie de vivre aussi cette aventure. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi ce Let's Play. Si vous avez kiffé, le petit pouce, l'abonnement, mais également le partage. Ne bougez pas si vous êtes sur le stream avec moi, puisque nous, on continue avec autre chose. Et si vous êtes sur YouTube, gigantesque bisous. Salut, salut.
Famino.